I want to do bad things with you. Si vous deviez résumer un petit peu l'esprit de True Blood en quelques mots, in a few words saying what is the spirit of True Blood. Oh French. Mon Dieu, je parle pas très bien français. C'est dingue, c'est pas. It's a real freedom, I think, that Alan Ball. You know, it's all about freedom and truth and who you are, True Blood. It's very difficult to say, you know, just a few words. C'est à propos de la liberté et vraiment qui on est. C'est ça qui compte pour Alan Ball, pour être soi, pour être vrai. As a girl, I'm very fond of the female characters. Je suis assez fan des personnages féminins. They are really strong, you know, not just victim. So maybe, Rutina, let's talk about your character, because you know, our life is not easy. Ça n'est pas vraiment facile. Well, you know, for me, I feel like Tara is a survivor. I mean, she's the child of an alcoholic mother, so she didn't have a childhood. And I think it's nice to see her sort of grow in this journey. Hopefully we'll get to see her come into her own womanhood and sort of become a lady and no longer have to fight so hard and be so defensive. Pour moi, Tara est une vraie survivante en sachant qu'elle a une mère alcoolique et qu'elle a une enfance difficile. Et ce que je souhaite, c'est voir son parcours pour devenir une vraie femme et devenir forte et survivre. Alors, il y a beaucoup de sexe hein, dans cette série, vous l'avez peut-être remarqué au déclenchement. Hein? There is a lot of sex, and in Europe, sex is not a big deal on screen, but I know that in the United States, sometimes it's an issue. Maybe my question would be for Michel. C'est vrai que le sexe, c'est peut-être pas trop un problème. C'est peut-être pas trop un problème à l'écran en Europe. Aux États-Unis, vous savez que la censure est quand même beaucoup plus active. So, were you surprised by this content? And is that a challenge, a pleasure, something always easy to play? C'est toujours facile à jouer ou ça peut être difficile parfois? I do feel that in the States we're a bit too prurient about this subject. It is indeed a part of all of our lives. Otherwise, none of us would be here. And I do think that we need to be a bit more grown up about it and hopefully follow in the footsteps of the French. Donc, effectivement, aux États-Unis, hein, on est un peu prude par rapport à ce sujet-là, mais ça fait partie de la vie, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Et j'espère qu'aux États-Unis, on va un peu suivre les Français dans la façon de parler. And a question for Alexander. You play a very good villain because he's not a cliché and a stereotype. C'est vrai que les méchants, en général, il y a quand même un bon nombre de clichés stéréotypes. Un vampire qui a 1000 ans, je pense que c'est pas évident. How do you get inspired? And is that more a pleasure to play the bad guy than, you know, the nice? Well, I want to say that Eric is very misunderstood. I think, well, you haven't seen season 2 yet, but you're going to see the first 2 episodes and tonight. And I think you'll all, after that, I'll meet you at the after party because you'll know that he's a big baby, he's a sweetheart. He really is. He's just misunderstood. En fait, Eric est très mal compris et vous allez voir après les 2 premiers épisodes, en fait, c'est juste un petit bébé, quoi. He does very strange things with his hair. Il fait des choses très étranges avec ses cheveux. Yeah. Well, I don't want to give it away because you're about to see the first 2 episodes, but his hair, it plays a very big part here. It does indeed.
And during season one, I was wearing a wig. It was in my real hair, so. Donc, il veut rien vous dévoiler là, mais dans les deux premiers épisodes, vous allez voir que ses cheveux ont une vraie importance dans la série. Et pendant toute la première saison, il portait une perruque. Oh! Ah! I wanna do bad things with you.